ça va venir. Certaines bonnes ayats, je viens de trouver qui ça va l'enseignement qui est là dans sa Coran là, c'est ben l'enseignement c'est très noble. Et nous, que ce soit dans ma site ou soit le YouTube, le
Facebook que nous pétons un frère, une sœur qui peut raconter sa conversion à l'islam et les pose concernant le Coran, que les fins méditer, que les fins lire, les fins réfléchir, nous là, les faire, les traverser, s'aborder des coups et chèques, les fins vignes de la famille de Tawhid, nous sommes contents. Nous sommes contents et nous fiers de ça. Mais ça contente pas la frère ici en islam. Sa fierté là n'est pas prenant aucun effet pour nous si nous aussi nous pas continuer lire et méditer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'icône de nature, l'icône insan, insan se faiblisse, Allah subhanahu wa ta'ala lui pose question de Coran à nous, à Ban Mukmin, lui pose question afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils ont pas médité l'eau sa Coran là? Est-ce qu'ils ont pas médité l'eau en Coran? Ou soit l'eau ban lekeya et n'a ban séné? Est-ce qu'ou soit l'eau ban lekeya et n'a ban kadda? Ban lekeya qui finit kadda si? Ban lekeya qui pas peut écouter, qui pas peut prendre compte, parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui s'en a qui peut avoir tenu de ça? C'est Allah Rabbul Alamin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut abéti, il peut poser avec un langage pareil. Est-ce qu'il ne peut pas méditer? Est-ce qu'il ne peut pas méditer le Coran? Sa question là, frère, ici en islam, il peut viser à nous tous, frère, ici en islam. Du tout. Grand, petit, jeune, vieux, imam, moussadi, tout le monde peut être visé pour sa ayat là. Nous tous, nous besoin poser la question, nous devant ça, ayat là. Qui quantité nous peut méditer le Coran? Qui quantité nous peut penser le Coran? Nous peut réfléchir le bon ayat, ce qu'il y a dans le Coran? Est-ce qui quantité, ce qui nous peut faire, lui suffit d'y assez sa quantité là? Nous besoin poser nous-mêmes, ça va une question en fait en islam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, conséquence, pas méditer le Coran, est bien grave. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un ayat Coran, et à travers un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver qu'il fait une sainte, liée là, sa page là, pour qui délaisse le Coran et pas méditer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, لذيه القرآن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله سبحانه وتعالى بزي ستنم مبؤكات مبنفسي مبنسين depuis من personnes qui n'ont تكبر qui n'ont arrogance dans eux et sont assis des sourds de la terre الله سبحانه وتعالى بغير الحق sans aucune vérité et n'a dans eux sans aucune raison. Et même si je trouve tout un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux amener l'iman. Et même si je trouve le chemin de la voiture, je peux comprendre ce chemin-là. Mais si je trouve le chemin, chemin de l'égarement, ce chemin-là qui se croit, qui fait affaire en islam, parce qu'il y a certaines personnes, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, il y a une maladie dans le cœur. Une maladie dans le cœur, et ce qui fait manger de Coran et de sa ayata ici, c'est l'arrogance. C'est des cœurs plus connus, c'est des cœurs plus supérieurs que les autres. Si une personne a une maladie pareille, il n'est pas pour capable de méditer le Coran. Après, donc, elle est fait l'on lit. Une personne quand il lit le Coran, c'est une personne qui dit âme. Et âme, pas pour Dimon, pas pour celui qui peut être lit, mais il âme vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on peut méditer le Coran, c'est en islam, c'est pareil. Quand, dans la case, n'importe quel âge nous arrivons, quand nos parents, quand nos mamans, nos papas fait cause avec nous, c'est avec un respect qu'ils nous écoutent sa parole-là. C'est avec un respect qu'ils nous lisaient comment il était vis-à-vis avec nos mamans, avec nos papas. De la même façon, nous dans le bureau, nous dans le travail, nous, chefs hiérarchiques dans notre travail, des causes avec nous, alors c'est une façon qui nous écoute sa parole-là.
Ça, c'est parole de Ban Insan, mais parole Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a envie de méditer, a envie de bénéficier avec le Coran. C'est faudrait qu'il ait sa qualité d'humilité dans nous. C'est à ce moment-là qu'il nous capable vraiment méditer le Coran. Et de la même façon, les autres maladies de guerre, rancune, l'humilité, et les autres l'hypocrisie, parce qu'ils m'ont dit avec un thé, comment me piéger avec lui. Est-ce qu'on me fait tirer les dents avec lui, on peut rire avec nous, on peut rire. Alors tout ça, c'est pas maladie de guerre. Et c'est lui qui n'a pas maladie de guerre. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit pour éclore tout sur un signe de sa bonne personne-là. Alors ça, c'est un parmi bonne chose. Un deuxième point, frère, c'est en islam, qui fait du monde parmi les titres là au Coran aujourd'hui, c'est parce que l'amour du nia. L'amour du nia fait une rentre dans les guerres insane. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ستمضان كي تبين الإسلام وزن avec nous et ورضوا بالحياة الدنيا et je suis satisfait avec sa vie moderne je suis satisfait avec sa dunya وطمئن بها et je suis comme dire avec une tranquillité je suis comme dire satisfait avec la vie dunya je suis satisfait avec ce qui je suis là. La case, risser, sans pont, travail. Il est satisfait avec ça. Alors, je suis là, tout le monde gagne, tout le monde peut vivre dans le pape Allah. Mais, il ne peut pas Allah, pas faire 5 fois cela. Il ne peut pas lire pour le pain, il ne peut pas faire ça d'accord. Il ne peut pas vivre bien, il peut casser la chambre, il peut vivre dans la bonne façon. C'est qui pas correct. Et lui, pour vivre, il peut vivre dans sa dunya là. Il est satisfait avec ce qu'il fait gagner dans la dunya. Qu'arrive-t-il? On a dit, il y a un anatine à Rafiloun. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, et ban concernant nous ban ayat, concernant nous ban si, je dois raflat, je dois l'insouciance, pas mais par contre, concernant ban si d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa ban personne n'a Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou là, et dans le corps, ou non, sa ban personne n'a cette destination, c'est l'anar, cette destination, c'est l'enfer. Il y a un temps où il y a un second, pour une petite chose qui se tipifie à la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette destination, c'est l'enfer. C'est une personne, c'est qui vient resplendir avec la méditation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait parce qu'il fait galop derrière du lien. Ça va dire que je viens satisfait avec ce qui, je viens gagner l'eau du lien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا نودى أن يسوع الحديث إن الله يقول يبنى آدم حديث قدسي لبيجك الله سبحانه وتعالى لبيجي أوصاف آدم تفرق لعبادتي أملك صدرك غنى وأسد فقرك الله سبحانه وتعالى بيجي أوصاف آدم لبيتوا لبيتوا كنوا لبيتوا سيدك سوى كت أبي من كتشو بين في عبادة هو الله سبحانه وتعالى Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait Allah subhanahu wa ta'ala dit Amna sadara tariman. On peut remplir de la poitrine avec richesse. C'est-à-dire kaka, emsou, babina. Sa malade qui fait ronge la société, sa malade dans sa centenaire qui fait ronge la société aujourd'hui, c'est qu'on appelle stress. Aujourd'hui, frère, ici en islam, c'est quand même pour les mains de enfants. 4e, 5e, un grand nombre de besoins et n'a pas un accompagnement psychologique dans nos pays, frères et sœurs. Et beaucoup, et n'a pour les autres pas malades, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de leur début, de leur naissance. Mais, ça banne ce qui m'a fait dire là, c'est banne ce enfant, c'est qu'il commence à stresser. Il stresse avec l'étude pour un bon résultat. Il stressé pour faire tout qui chose mais lié à la perfection. Il stressé parce qu'il pour faire son parent plus content lui. Parce qu'on dit, c'est ce qu'un petit enfant, il n'a pas une petite chose, c'est qu'il ne peut pas croire, frère, c'est en cela. On trouve un enfant peut faire des autres dans l'entraînement. Un enfant peut faire des autres dans l'école. Mais qui fait, qui n'arrive, pour qui raison? C'est pas mal des autres, c'est qui normal.
Les enfants nous disent qu'il y a des désordres moi dans l'époque passée, c'est pas du coup il y a des autres telles affaires. Aujourd'hui, les enfants disent bien les corrects. Un écoute, un écoute. Explosé. Explosé, frère, c'est en instant. C'est stress ajouté. Mais tout est beaucoup, puis fini beaucoup. Pas une masse. Comme le nombre de suicides, frère, c'est en instant dans notre pays, petit l'île Maurice, qui quantité fait augmenter. Nous, tu fais un coup de bain l'an dernier, l'eau là. Qui quantité nombre de suicides peut augmenter? Parmi les enfants, parmi les jeunes, parmi. Dieu, jeune, un Dieu, comme même vieux. Mais c'est en instant qui fait. Parce qu'il stresse, qui fait du moins stressé. Parce qu'il tout n'y a. Pour gagner un résultat, pour gagner un certificat, pour classer, pour venir l'aider les enfants de lycée, ce parent, pour venir l'aider de société, par ici. Les autres du monde sont stressés parce qu'ils ont besoin de faire plus bien qu'ils sont belles-sœurs, ils ont besoin de faire plus bien qu'ils sont frères, ils ont besoin de gagner plus beaucoup qui, le plan finit aidant, ce collègue finit dans sa lycée pour faire pareil. Aujourd'hui, ils viennent commenter un élément de compétition que du monde peut vivre. Et quand du monde peut vivre dans un élément de compétition pareil, pas gagner le temps de dire pourquoi, pas gagner le temps de méditer nos paroles à voir sur le plan de la. Et ça, il peut finir nous, une société. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith Qudsi, les conscients ou en chute de la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala, disait, mon bouche de pauvreté. Si tu donnes les temps, te donne-moi tous les temps. Libère-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Libère-nous pour nous. Et là, tu vois, il y a cela, pas gagner les temps pour cela. Cela, tu pas gagner les temps, père. Pas gagner les temps, une leçon, pas gagner les temps. Il n'y a pas gagner les temps. Ça ne va pas être pas gagner les temps, ça va être tout ça. Mais c'est là, là même qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Oui, il te parle. Si tu n'as pas libéré toi pour moi, tu n'as pas libéré toi, une personne pas libérée pour Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peut arriver à tu es déjà sur l'âme. Mais pour remplir ton délai avec travail, tout travail n'est pas fini. C'est lui qui peut libérer pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle a pour voir ce travail. Moi, je dis que par la quête de ce travail. Pas pendant les temps. Tu fais un poste qui dit pas de libérer lui pour faire ibadet pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam ashudda faqra et mon pas au bout de pauvreté. Pensez en islam. Tout le monde nous connaît. Nous pouvons aussi, pendant le hajj, fermer magasin, fermer les soupades, pas mettre bordier, pas mettre la scène, pas fermer la côte. Et quand je suis là, on s'est venu, frère, c'est ça. Comment il est venu tout ça là? Comment il est venu? C'est parce qu'il est iman. Iman devant personne. Il n'est pas si c'est l'autorité qui peut faire ça. C'est pas si c'est la loi qui sévère. Mais iman de tout un chacun, ce qui est là. Ça, iman dit. Une personne qui grandit l'eau d'une conception islamique, et c'est là qui libère pour casser qui travaille là pour donner. C'est à cause de ce qu'on nous a dit dans le passé, un exemple, avec mon célèbre Madame Madassa, un exemple, c'est qu'une personne, un nouveau supermarché peut ouvrir, à côté avec un autre supermarché, il finit mettez pour ouvrir tel jour, tel vendredi pour ouvrir. La veille problème. Il y a un tort, pas un camion tort, des pouvinis. Et pour ouvrir le rendez-vous, avec son nom, ils savent ce qu'il est impossible pour ouvrir. Supermarché à côté, qui savait venir un compétiteur pour lui, ferme ce supermarché dans ma cas, ferme ce supermarché, dire ce qu'on travaillait, aller à l'avenir pour lui, afin qu'il est capable d'ouvrir ce supermarché le lendemain. Pas travailler. Indien, Pakistanais, Bangladesh, je vais dire, et comment capable de vivre, il peut faire compétition avec nous. On dit, nous, on veut nous couper. Ça fait un seul nom, il dit, nous risquons pas. Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire. Comme il finit écrire pour nous, nous ne parlons pas pour gagner, plus que ça. Nous pouvons gagner exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire. C'est pas compétitif qui peut empêcher ça. Roubi ria ob de moulakis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après, c'est en islam,
C'est ça qui appelle un démon qui libère les pour Allah. Ça veut dire là, les filles comprennent qui appelle l'iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne les filles comprend qui s'adonne à la pénalité pour nous. Pour qui commencer à les rendre un petit service. C'est pas nous qui bisa rendre un service. C'est pas nous qui bisa galoper sa dunya là. Sa dunya là, fin mette devant nous pour qui nous servit. Laisse dunya servir nous. Ça, c'est raison, frère, c'est en islam. Et quand on dit, parmi ma kitso, qui est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, on peut lui dire, qui fait un manjimoun, pas gagne les dents, pour faire un tadabbur de Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a une autre petite chose qui est bien en moins de nos jours par une autre personne. Parce qu'on dit, malgré qu'il y a certains jimoun, il dit, mon business, c'est qu'appelle mon me-time. Pas les temps pour moi. Mais c'est mon candidat sur les temps pour lui qui le gouvernent. Pour que tu sois table, il rentre sur compte Facebook, Instagram, texte sur mail, il peut être sur YouTube, sur programme, il peut être le. Ça pour les temps. Pas une dérangement, mon temps. Mais frère, c'est mon histoire. Vrai me time. Vrai les temps, mon temps personnel, personne stand, c'est le temps qui nous vient consacrer pour qu'il nous ait une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle vrai time, c'est que nous vient là. Le temps personnel pour nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Aqba ibn Amir ibn Jabir, ya Rasulullah, man najat, oh Rasulullah, qui chemin de la victoire, oh Rasulullah, comment peut échapper? رسول الله صلى الله عليه وسلم نزي أمسك عليك لسانك كنترولت الألم وليسعك بيتك اكتر أكاز لسيفك تبقى من تلاني لتر أكاز وابكي على خطيئتك إبروغي لطبان إغير إبروغي لطبان إغير فايسة الإسلام البروفيت باكوز بسو باسون نكون تري بيان كي دولان غاز أهب خطيئة veut dire péché, veut dire erreur. Zem, ça veut dire péché. Zem bon, ça c'est péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire pour qui nous sauver, pour qui nous être sauvés dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui nous être sauvés, yawm al-qiyamah, au tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui nous être sauvés dans nos qabar, parmi les bonnes questions qui nous puissent faire, nous puissent pleurer pour nos bonnes erreurs. Et erreur, frère et sœur, mister, erreur, Allah pardonne, erreur. Quelque chose qu'on fait pour erreur, Allah laisse passer. Mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pardon, Allah pardonne. Erreur, Allah laisse passer. C'est lui qui fait erreur dans ce salat. Il peut se rapporter à un rakat, il fait 10 ans, c'est sa roue incorrecte, et puis il n'a qu'un péché à gagner. Erreur, et c'est lui qui fait erreur, il fait tawaf, un en plus. Un erreur, à peine, il peut affecter ce tawaf. C'est lui qui fait errer par le rosa, il fait manger, il arrête de manger, sans manger, il fait manger, Allah fait de ni manger pendant qu'il est rosa. Il n'est pas affecté sur rosa. Ça, c'est errer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire pour qui nous gagne la victoire. Nous visons pour nous, nous bannons errer, pas pour nos PC. C'est si nous pour nous errer, c'est nos PC vis à plus. C'est de sa façon là, frère, c'est un instant, un simon, quand vraiment il trouve un temps pour lui, il commence à penser, il commence à méditer. C'est à ce moment-là qu'il trouve tout ça là. Et dans le hadith, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dépose dans cette qualité personne qui a pour bénéficier l'ombrage de Allah subhanahu wa ta'ala. Et au même temps, un jour qui n'a pas aucun ombrage, excepté l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala, dedans, رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا إن بيسن تلفين تنس الله سبحانه وتعالى سل تسل لا سوليتود تلفين تنس الله سبحانه وتعالى بيسن بابين تروبلي بيسن بابين كليب فيا سا بيسن نفين تنس رب بيسلام فين بلي personne n'a trouvé sa lame la poulet excepté Allah. Ça, quelque chose ça. Et ça, dans le moment après son instant, un moment dans la solitude qu'on peut méditer, on peut penser à Allah, on
pépince dans sa dîne, au pépince qui peut arriver pour demain. Si mon fils me disait, pensez si mon fils mort ou là qui peut arriver. Et si on est stable, ça va être le moment là qui nous bissait et nous avons besoin. Nous plus en besoin de nos jours. Ça va être le moment de solitude. Ça va être le moment quand nous bissons de méditer. Là, Allah subhanahu wa ta'ala doit le Coran. Mais de nos jours, il y a un salut. Parce que j'ai beaucoup chez moi une pine d'une société. Quand on dit que c'est quelqu'un qui a dormi bonnet avec ma poule, on dit pas bon ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'habitude, après salat al-Isha, tu peux dormir. Si passé la noire pour faire, passer la explication, passer la noire, tu peux dormir. Parce que j'ai, soi-disant, une société avancée, avance, le besoin de dormir minuit, il y a du matin, 10h du matin. Mais qui est le prophète à Dieu? Qui est où pense en bas? Et c'est un moment qui dit mon salat infini, mettre mes verres, salat infini, on parle jusqu'à minuit, qui dit mon fin de verre? La plupart du monde qui fait. Donc pourtant, télévision, football, série, film, qui veut faire ça là? Qui quitte chose de concret, qui quitte chose de ribadette, une personne peut faire ce moment-là. Et pourtant, c'est ça, une personne qui a dormi, 9h, 10h, il a dormi. Papa, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, 10h du matin, 3h du matin, sommeil cassé. Les gens lèvent, les gens perdent la carte de Hadjoub, les gens pensent à Allah, les gens méditent un petit peu. Mais en pratique, ça arrive en dedans. Allah, subhanahu wa ta'ala, fait une vie pour une bonne personne qui médite. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous médite l'Islam, nous médite le Coran, nous médite l'enseignement qui nous dit une fille de nous. Après le corps, il y a un restaurant pour Allah, il y a un bon. ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فيسوع الإسلام pour nous concours qui fait une raison et il s'en pas gagné le temps pour méditer faire sa grande ibad être là c'est parce que de nos jours de nos sociétés quand nous disons beaucoup de gens pas gagné le temps c'est quand même une ibad qui longtemps dans nos propres sociétés c'est très connu ça c'est quelque chose c'est qui m'entend dire telle famille malade l'hôpital ni la case pour garder ou aller. Plus vite, longtemps, l'hôpital c'est plus petit. C'est la moins facilité de transport. Et du monde qui est dans l'hôpital, comme je disais, sa famille pas tenir ça même en c'est. Famille proche pas tenir ça même en c'est pour lui. Si tant, les autres, frères, sœurs, cousins, cousines, tcha-tcha, coupou, cala, tu peux venir, bon, c'est. C'est quand même, c'est un parentage. Portance free avec les autres personnes dans la salle, avec la classe de nos enfants, si tant tu peux gagner. Aujourd'hui, frère et sœur, on est là, quand on est dans l'hôpital, quand on a une visite par une famille, par du monde, et on a du monde par semaine sur famille, pour savoir, nous peut dire, par semaine sur famille, personne par mingeti, famille processe par mingeti. Il y a des gens qui, malgré les malades, malgré les autres par le problème qui gagne, un démon, une famille, un tcha-tcha cousin, famille, proche, l'autre, pas n'aller pas dans la gâteau. Il y a des gens avec facilité. Mais vous téléphone, pas pépé l'école, ou pépé le wifi, ou pépé l'école sur WhatsApp, ça ne se paye pas téléphoner à aujourd'hui. Ça aussi, des gens pas gagner le temps de téléphoner, ou s'envoyer un message, ou prendre une nouvelle dans la famille. On nouvelle d'un camarade qui est malade. Aujourd'hui, si tant qu'on a dit une vie, on a dit quelque chose banal aujourd'hui. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Raudan Marba, on visite un malade, on te dit, il suit un janaza, accompagne un janaza, te recte le commun l'akhira. Ça vous fait un seul rappel akhira. Ibrahim al-Nakhai, un poème en tabi'i, il dit « Incanu yashadouna al-janaza,
فيهلون فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم ذلك فيهم. إذا دار بعسي كمن تابعي كمن تابعين من صحابة بيالا كبرستا تبال أنتي اليزوت أنا زوتيبيري ساكرة زوتيبيري ساكرة. Pendant plusieurs jours, et ça dit, facile de découvrir le jeu de figure. Mais aujourd'hui, frère et sœur en islam, du monde à Kabarastan, dans Kabarastan, et même du monde à Kabar, ne pas dire pas qu'il y a droit de cause, tout causer, ou bien pas causer. Mais c'est pas une cause, pas une cause inutile. Et là, du monde à Kabarastan, il n'y a pas une cause concernant le football, il n'y a pas une cause concernant, on appelle les morts qui étaient dans cela, le bon joueur, c'est le joueur. Dans Kabarastan, il prend la cause pour sa politique. L'élection peut venir là pour politique de Kabarastan. Dans Kabarastan, il prend la cause et tantôt il est infime, tantôt il est en cinéma. Dans Kabarastan, aujourd'hui, personne n'islam. À quel niveau nous venons d'arriver? Et bien, le Sahaba, ben, tu avais, quand je t'y peux aller pendant une semaine, ça avait fait des tristesses, ça, tu peux rester aux autres finir. Et tout du monde, tu peux remarquer. Aujourd'hui, nous devons Kabarastan, non? Tout qui a été causé, tout qui a été rié, et non, bon frère, et c'est en islam, ça c'est même quelque chose, c'est qui n'est pas correct, et parmi même quelque chose, c'est qui empêche nous méditer encore, frère, et c'est en islam, c'est qui nous mange plus qui est bizarre. Rasulullah, il y en a beaucoup de monde au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, désir un mu'min qu'on y mange, c'est akalat. C'est quelqu'un boucher ni manger afin qu'il soit capable, ce colonne vertébrale capable de bout, il est capable de manger, il est capable de faire ce travail. S'il n'a plus envie de manger plus, il n'a plus envie de manger un petit peu en plus, il n'a plus envie de manger la pomme, il n'a plus envie de manger un petit peu en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce moment, il mange un tiers, les bois un tiers, les gants un tiers pour qui, pour les traverser. Ça c'est, conseil le prophète. Et aujourd'hui, quand on a dit tout, dans ce qui peut faire régime, target de sa ferme, on peut trouver qu'il vient dans ce système-là. Ça devrait être qu'il vient dans ce système, et le prophète finit enseigné là. Mais aujourd'hui, mon heureux, un jour, il vient manger, et moi, je vais aller. Si tu viens manger avec un sommeil, si tu viens manger, pas capable de lever, présence là, le prophète disait, elle ne peut pas lui manger. Pour les qui dit qu'un soupeur ne peut pas être capable de dresser, c'est dit qu'à 10 bouts de manger. Mais aujourd'hui, qui était mangé, nous mangeons. Nous sommes qui étaient mangés, qui ne sont pas capables de bouter, nous ne sommes pas capables de faire salade. Vous mettez où on va manger, ou aller, ou après, après, dans les années, il y a rien que ça, tout ça. Il y a un sommeil, vous me saoulez. Vous avez 11 heures, mais nous, on fait la masse, et ça, la case. Pression d'Islam. Ça, c'est l'enseignement de l'Islam. Mais ça, comment, sa qualité-là, c'est l'air le même qui. Ou pas vous capable de méditer de haut parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les frères et sœurs en islam, ce qui nous vise à pire, ce qui nous vise à pire, c'est l'avertissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, dit le Coran, « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ » Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à certains morts, « نِفِنَّ قِبَرْ بُوْ جَهَنَّمْ بَوْبُوْ بَوْبِنْ كَثِيرًا » Beaucoup parmi les djinns et parmi les insans, la hum kouloubun la yafkahouna biha. Je t'ai l'indiqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin d'un jeu, mais je ne peux pas penser, je ne peux pas méditer avec ça l'équipe là, je ne peux pas comprendre avec ça l'équipe là. Voilà, hum aïun la yafkahouna biha. Fin d'un jeu, il dit, mais seulement je ne peux pas trouver avec ça l'équipe là. Voilà, hum aïun la yafkahouna biha. Allah subhanahu wa ta'ala fin d'un jeu, dans le sourire. Mais je ne peux pas t'en dire avec sa bonne sourire. Allah, il est un âme. Allah, subhanahu wa ta'ala, plaisir. Quand il passe et vit, je te lisais, je te. Oui, passe et vit, je te l'écrire. Je parle de style au bon signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je peux m'en dire, ben un âme, je peux m'en dire, ben bestiaux, ben animaux. Parce que les animaux d'ici, il y en a, il y en a, j'aurai. Les animaux, il y en a d'ici, les animaux, il y en a, c'est vrai, nous mangez la CBP. Les animaux, il y en a tout cela. Mais il n'est pas médité, il n'est pas pensé dans rien, c'est qu'il dit, allez faire, allez faire. Mais nous, l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la guerre, il nous donne le cerveau pour nous comprendre. Mais l'insan, pour ne pas faire ça, c'est Allah qui peut dire, ce n'est pas nous qui peut dire.
Roi subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui passe sa vie sur les ears, passe sa vie sur les yeux, passe sa vie sur les oreilles. On médite le Allah subhanahu wa ta'ala. Vous méditez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Oulah, ikakal anam, ça va nous faire pour matière dans le ciment. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de là. Déjà, d'un abal, mais au contraire, je prie égaré les animaux. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire, frère et sœur Islam, quand nous tombons dans l'ayat Coran, pareil, il fait peur, frère et sœur Islam. Il fait peur pour tout un chacun. Et sa parole-là, il va six coubans qui peut écouter, pour celui qui peut causer aussi. Est-ce qu'il y a une quantité qui nous permet de dire assez, il suffit? Est-ce qu'il y a une quantité, c'est qui nous peut lire, pour qu'on dit assez, il suffit? Est-ce qu'il y a une quantité, c'est qui nous peut faire dans le récit, ça va venir d'un seul? Est-ce qu'il y a assez, il suffit? Sa parole-là, frère et sœur Islam, il concerne tout. Mais toi, il n'a pas rendu compte, pareil, que ma honte a dit, il n'a pas rendu compte, mais là aussi, il m'a pas causé, moi, je rends compte aussi qu'il m'a pas causé. Là, il connaît tout, frère et sœur Islam. C'est ça, la beauté des dînes à l'islam, pour la personne qui est plus supérieure. Ça arrive à la tête de la méditation, frère et sœur Islam, les répondants pour nous tous. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, oula, ikahoum al-rafilon. Ça va, c'est qui va méditer lors d'un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui vit de raflet, une personne qui vit dans l'insouciance, une personne qui donne un état aussi. C'est qui le fait faire? Où c'est allé? Moi, c'est allé. Et tout. Je n'ai pas lu le Coran. Je n'ai pas médité le Coran. Mes frères, c'est en Islam. Je n'ai pas les kikikans comme les soudas, il y a le pensée. Et tout le monde. Et la même quantité de connaissances pour qui il y a l'ouvert pour un de lire, de méditer par lui. Plus du moins, pas pour qu'il y a l'ouvert pour un, il médite sur le Coran, il peut y arriver. Il pense sur un hadith, il médite par un, il peut y arriver. Il est obligé de comprendre sa Coran, hadith, à quoi le prophète vient comprendre. Comment il y a le hadith, comment ça va pas, il m'explique, comment ça va bien, il m'explique. Alors, ça médite à son frère en islam, c'est des fois. Si on peut pas qu'à faire tout seul la case, mais au moins, une leçon d'avancer doit cesser ou écouter. Pour écouter une leçon qui peut être déduite, qui peut tirer à travers un aujourd'hui, une facilité. Vous ne pouvez pas écouter live, le Facebook, live, le YouTube. Au moins, doit cesser ou écouter. Faire aux familles écouter. Vous ne pouvez pas aller dans ce lieu-là, mais au moins, le plaisir est libre à cesser, écouter, apprendre ou dire. Méditer l'Ola, si vous n'êtes pas capable de faire une méditation tout seul, il n'est pas recommandé aussi. Aucune personne n'y fait une méditation quand il ne connaît. C'est les mêmes qui nous trouvent. Certaines bonnes personnes de Maurice, je leur trouvais qu'ils assistent des fois, dans la masse par jour. Vous choisissez trois fois dans la masse par jour. Dans Maurice, même filé là. Hein? Alors, frère, ici en Islam, il y a beaucoup de temps qui nous suivent dans les sons, même dans le coup de bain, on reste éveillé, à dormir. Dans les autres petits leçons, les autres petites causeries, nous mettons nos présences, là YouTube, là Facebook, pour faciliter ce qui est là. Nous écoutons les sons, nous pouvons voyager, nous pouvons aller, mettre un petit leçon, nous écouter, mettre un petit air pour nous écouter au moins. Mais ici en Islam, c'est un ibadat qui n'est pas capable de laisser, c'est un ibadat qui nous besoin. Remettre ça en vie, dans nous la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne-nous pas mort de. Méditation qui n'a donné la vie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait nous exprimer hier, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous jannah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait nous lire kalima, la ilaha illallah, et t'en nous donne les paroles avant nous quitter cette dunya là, qu'Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme salli ta Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamid majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamid majid, nous débutons.